vrai. Bravo, Joe. C'était facile, finalement. Gabriel, qu'est-ce que tu fiches encore? Je pouvais quand même pas partir sans quelques souvenirs, Joe. Un bouquin sur l'aéronautique? Un oreiller? Un boulet? Ah oui, on s'attache. Le trousseau de clé des cellules? T'avais la clé de notre cellule? Bah oui, c'est le trousseau d'Emmett, il l'a laissé tomber il y a quelques jours. Oh, c'est bête, je vais pas pouvoir lui rendre. Et je pourrais m'énerver là, mais on met les voiles. Stop! C'est quoi ça? Attends, Joe! J'ai pris mes jumelles! Donne! Ces gars-là ressemblent à des Mexicains! On se planque! Voilà donc ces fameux pénitenciers! Mais pourquoi cet endroit précis, Général Santa Anna? Pour les symboles, Pedro! Les Américanos sont si fiers de leur prison inviolable. Et quand ils verront la rapidité à laquelle nous la prendrons, ils nous laisseront annexer le Texas au Mexique sans résister. Vous êtes un génie. Sortez les tentes, nous allons les assiéger. Demi-tour, on retourne au pénitencier. Bah, pourquoi, Joe? On vient tout juste d'en sortir. Parce que si on reste là, on va se faire massacrer, imbécile. Aïe, abruti. Bon sang, ça ne répond pas. Ces maudits Mexicains ont dû couper la ligne. Aïe, 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 ils sont des centaines en plus. Oh, mon cher pénitencier va tomber aux mains de ces sauvages. Peut-être qu'on pourra essayer de négocier. Vous n'y pensez pas? Tiens, directeur! Le général Santa Anna veut vous voir. Votre attitude vous honore, Général, et porte la marque des grands hommes. Renoncer à une folie est toujours un acte de sagesse. Messieurs, veuillez raccompagner notre hôte. C'est toi qui vas faire tes bagages, gringo. On ne pourrait pas plutôt en discuter autour d'une bonne tasse de thé? Il ne boit que du café. Bien serré. Ah, on ne se laissera pas faire. Ma que fougue. Vous avez un tempérament de révolutionnaire, mademoiselle. Ne faites pas attention, elle est un peu soupolée comme ça, mais quand on la connaît bien... Les familles qui ont du caractère, j'adore ça. Ma foi de Santana, je prendrai ce pénitencier. Et ton cœur, ma belle. C'est la catastrophitude. Poursi. Nous sommes perdus. Ah oui. On ne peut même pas s'enfuir. L'armée mexicaine nous encercle de toutes parts. Justement, j'ai un plan à vous proposer. Hein? Avril, fais-lui voir. Tada! Hein? J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Faites-nous confiance, ça va marcher. Je ne pensais pas un jour devoir m'échapper de mon propre pénitencier. Vous inquiétez pas, nous, on a l'habitude. Faites un peu de place, merci. Que pas d'air. Fais la volonté! Ah!
Marina, vous tombez bien. Oh! Hey, vous êtes dure, ma princesse. C'est beau, on est hors de portée. Maintenant! Hein? Vous deux, surveillez les prisonniers. Vous n'irez pas plus loin, les Dalton. Et c'est vous qui allez nous en empêcher, monsieur Peabody? Si vous m'aidez à délivrer Miss Betty, je vous offre l'amnistie totale. La vraie liberté? Plus besoin de se cacher. Ni de dormir derrière les rochers. Ni de manger des scarabées. Juste la vie rêvée. C'est d'accord alors, mais on va avoir besoin de renforts. C'est totalement vide. Sacré gringos, tous des lâches. Vous n'êtes qu'un barbare. À cause de vous, personne ne pourra plus vivre en paix. Tu es si pur, signora. Allez, fais-moi visiter. Après vous. Coucou, petite souris. Tu sais, tu n'as pas à avoir honte d'être une souris. Laisse le rongeur qui est en toi s'exprimer. Tiens, regarde, démonstration. Comme ça. Ça me sent bizarre, moi. Peabody peut répéter ça, vrai faucon, pour voir. Je disais que... Nous avons perdu le pénitencier. À cause des petits Mexicains, c'est ça? Vous pouvez nous aider, oui ou non? Oui, mais Peabody doit promettre d'acheter breloque indienne pendant 500 ans. 500 ans? Jamais de la vie! Alors nous souhaitons bon courage à Peabody et aux siens. 300 ans et il s'est entendu. Hugues. Alors, normalement, on se dirige en actionnant ce brûle... Du calme, on va y arriver. Et puis nous sommes encore tout près du pénitencier. Cette potion magique ne m'inspire pas vraiment confiance. Des effets indésirables peuvent se déclarer en cas de colère incontrôlée. T'as vu, Joe? Faut pas que tu te fâches. On aurait dû demander une démonstration. Satisfait ou remboursé, a-t-il dit? Et puis, de toutes les façons, quel autre choix avons-nous? Bon, trouvons Miss Betty et qu'on en finisse. Hola! Qu'est-ce que t'as? Allez voir dans les appartements de Miss Betty. Je vais inspecter mon bureau. Carina mia, vos yeux sont comme des soleils brûlants dans les paysages de votre beauté. Oui, eh bien, attention au coup de soleil. Au lieu de jouer les vils flatteurs, renoncez plutôt à vos projets de conquête. Pas question! Alors dans ce cas, je m'éclipse. Tous les soldates sont demandés dans la cour. Le président Ulysse Grant? Le temps de l'autoritude est revenu. Miss Betty n'était pas dans ses appartements. On continue de la chercher discret. Au fait, il est où, Avril? Trop bonne, cette recette de burritos! Cet imbécile va tout faire capoter! Ne fâche pas, Joe. Rappelle-toi les contre-indications de la potion. Ah!
avant qu'ils attrapent ce cochon. Ça va être un délice avec cette sauce chili. On ne devrait pas lui donner un coup de main, là? Je n'ai pas réussi à trouver Miss Betty. Et vous? Et où est Joe? Faites ouvrir cette satanée porte! Mi amigo, est-il possible d'ouvrir la puerta, por favor? Gentil cochon! Alors, on se le mange, ce cochon? On a retrouvé Joe! Et si on mangeait le cochon pour fêter ça? Bah, où qu'il est passé? Bon, on arrête tout. C'est mission impossible, votre truc, là, monsieur Peabody. Il reste un espoir. Le train du président Grant passe non loin d'ici. Si nous le prévenons de la situation, il saura repousser l'invasion. Amnistie! Dis-moi, on arrive bientôt, là? Mais pourquoi ne peut-on pas simplement arrêter le train du président en faisant signe au conducteur? Parce qu'avec nos jolies tenues rayées, ça n'a jamais marché! Ah oui, bien sûr. Suis-je bête? Ah! Mais il a pas dit un... Oui, mais il a pas dit deux non plus! Faut récupérer Peabody, on peut pas se pointer devant le président sans lui. Regardez, je vole comme un oiseau. Je crois qu'il est temps de nous annoncer. Qu'est-ce que vous dites? Suivez-moi. Votre mission sera de la plus haute importance. Vous allez préparer le terrain à l'arrivée de mon armée. Chouette! J'adore passer la tondeuse! Je vous présente Monsieur G. G comme gadget. Il va vous équiper pour cette mission. Élégante et discrète, elle prendra naturellement sa place dans un vase ou à votre boutonnière. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur? Envie d'écrire vos mémoires, une recette, un mot d'amour? Ben c'est un crayon, quoi! Cette mallette contient tout ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. À vous de bien l'utiliser. Et ça, à quoi ça sert? Non, ne touchez pas à ça! Ça va exploser? Non, c'est mon repas de midi. Et ça, c'est sacré. Messieurs, le pays compte sur vous. Rendez-vous au lever du soleil. À vos souhaits. Qu'est-ce qu'on mange? Je suis sûre que vous pouvez renoncer à occuper ce pénitencier. Sachez que Santa Anna ne renonce jamais. Il va toujours de l'avant. Excusez-moi, je me suis laissé aller. Bah, voyons, une souris n'aboie pas. Laisse-moi faire avec grand emplan, ce vilain matou ne te fera pas de mal. Grand emplan contrôle la situation. Faut que ça morde, sinon on est cuit. J'ai attrapé un truc. Voyons ce qu'il y a dans cette mallette. Hey, c'est génial! On voit comme en plein jour! Waouh! Bon, messieurs,
Nous devons trouver un moyen de franchir cette muraille pour aller placer les explosifs à l'intérieur. Avec ça, ça devrait aller tout seul. Hé, attendez-moi! Moi, je trouve Miss Betty, vous préparez le feu d'artifice. Hé, hey, attendez-moi! Dépêchez-vous, il va bientôt faire chaud. Ça donne chaud. Attends, je vais te rafraîchir. Pas meilleur? Mais quelle boulettitude! Psst! Oui, oui, un peu de patience. Ah, ma si! Je suis très impatient! Vous êtes plus belle qu'une tortilla au guacamole! Général, venez vite! On a attrapé des espions! Des espions? Les devoirs m'appellent! Que voilà des fiers espions! Ces imbéciles ont réussi à se faire prendre! Faut que je fasse tout moi-même! J'espère que ça ira cette fois-ci. Qu'est-ce que vous manigancez par ici? Eh ben, on a vu le président Grant qui nous a donné des bottes pour voir la nuit avec des hélices. Le président Grant, ils sont amusants. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Stop! Cessez de vous comporter comme une brute! Mais n'ayez crainte, après je serai tout à vous. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Stop! Mais décidément, c'est une manie! Je suis le président Grant et j'exige la libération immédiate de mes concitoyens. Sinon quoi, petit président? Mais toute mon armée du pays, tout ça avec les chevals, ils encerclent le pénitencier. Et c'est fini pour toi, amigo. Si tes soldats sont aussi petits que toi, il va falloir faire attention de ne pas leur marcher dessous. Je suis pas petit, ok? Je suis pas petit dans une tortilla! Eh ben voilà, il était préféré comme ça, amigo. Bien joué, Joe, tu t'es pas laissé faire. C'est quoi ton plan maintenant? Le plan, c'est que tu l'as fait, imbécile! Alors, qu'est-ce que vous maniganciez? Mais il va se taire, le maudit cabot! Vita! Attrape ça, face de burrito! Pas de renfort, j'en étais sûr. On peut jamais faire confiance à ces politiciens. On laisse tous ces imbéciles se taper dessus et on s'évade! Arrêtez là, amigos! Vous allez me les payer! Les pénitenciers! Il y a un chef, Pete! On a fendu l'aile! Mon armée aplatie comme une tortilla! Votre cause est perdue, Général Santana! Fuyez! D'accord, mais tu viens avec moi, mi amor.
Adios, mi amor. Va, petite souris, ta vraie vie de rongeur peut enfin commencer. Autoritude et courageitude. Joe Dalton, je vous décore pour service rendu à la nation. Ému? Non! Vous m'avez planté l'épingle dans le buste! Bon, on est blanchi, amnistié, pas vrai? Donc, on peut y aller! Une parole est une parole. Toutes vos condamnations sont annulées. Vous êtes libre. C'est émouvant, le départ de ces quatre gardiens. Eh, hey, tu sais, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Mais si, tu dois t'accepter. Tu verras, c'est merveilleux d'être un chien. J'ai piqué la baleine du président. On va pouvoir s'évader fastoche. Ah, oh, mais attendez un peu. Rattrapez-le. Vous nous avez manqué. Je vais lui faire bouffer sa mallette! Vol de mallette présidentielle en bande organisée, ça va chercher dans les 69 ans de prison, ça. Hmm?